Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire un tuto sur comment tirer des missiles dans DCS. Donc alors dans cette vidéo, je vais prendre pour exemple le F-16, mais ce sera différent pour les autres avions, mais pas si différent que ça. Il y aura quelques spécificités peut-être pour les autres avions, mais pas trop. Là au moins vous saurez la base sur comment tirer des missiles, à quoi ils servent et quelles sont leurs spécificités. Donc d'abord, je vais vous dire ce qu'on a. Donc on a comme armement 4 AIM 120C, donc qui sont des missiles Foxtri, donc de longue portée et radar. Donc les missiles Foxtri sont presque identiques au Fox One, mais c'est des versions améliorées. Le Fox One, ça va être un missile radar qui va devoir garder le lock radar grâce à l'avion jusqu'à sa cible, jusqu'à ce qu'elle le touche. Sinon, si vous perdez le lock radar, le missile arrêtera de suivre la cible et ira tout droit. Et le missile peut être tiré à une distance d'environ 20 nautiques. Alors que les Foxtri, eux, donc, sont des missiles qui peuvent être tirés de beaucoup plus loin, donc d'environ 40 nautiques, et même 80 nautiques pour ceux qui vont le plus loin, les AIM-54 Phoenix, qui peuvent que être pris par les F-14 Tomcat. Et bien, ces missiles ont des radars intégrés sur eux, ce qui va leur permettre donc de pouvoir. Dès qu'ils arrivent à environ 7-8 nautiques de la cible, et bah de pouvoir arrêter de prendre le lock de l'avion. Donc l'avion peut perdre le lock radar à partir de 7-8 nautiques où le missile est proche de la cible. Et le missile va se débrouiller tout seul pour atteindre sa cible. Et du coup, il y a aussi les Fox 2. Donc alors les Fox 2, donc là dans notre cas les AIM-9X, sont des missiles infrarouges qui ont détecté la chaleur des moteurs pour pouvoir aller sur leur cible. Donc pas besoin de radar, juste besoin d'un moteur pour aller sur la cible. Donc je vais vous montrer tout ça, mais on va pas juste pouvoir aller tirer comme ça, il faut une petite manipulation pour aller tirer. Donc je vais décoller et on en reparle en l'air. Ok, donc là voilà, on se retrouve en l'air, à environ 20 000 pieds d'altitude. Et donc là, on peut voir dans notre radar qu'on a une cible. Donc on peut déplacer l'alidette dessus, et du coup le lock radar. Et là, on va voir que hop, on a lock la cible, et on peut la voir grâce à notre HMD. Donc alors pour activer le HMD, c'est simple, le petit bouton ici, vous le tournez, et hop, vous avez le HMD. Et cette option, elle est pas sur tous les avions, elle est sur du coup le F-16, le F-18. Et je pense que c'est tout. Je ne connais pas d'autres avions qui ont cette option. Aussi bien faite. Ah, le A10 aussi. Mais le Sukhoi 27 par exemple a cette option, mais en beaucoup moins bien. Donc alors là, hop, on a notre cible. Donc là, on peut voir qu'elle aussi est dans son radar. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui tirer dessus. Donc pour ça, on va aller sur une page d'armement. Dans notre cas, c'est la page SMS sur le F-16, mais ça peut aussi être la page Stores. Ça dépend de votre avion. Et du coup, quand vous êtes sur cette page, vous sélectionnez les missiles que vous voulez tirer. Nous, on sait que la cible, elle est loin. Donc, on va vouloir tirer un Foxtri. Donc, là, on va d'abord, pour pouvoir tirer, mettre le Master Arm sur Master Arm. Sinon, on ne peut pas tirer. Et là, du coup, on a notre cible dans le rayon d'action. On va attendre que le rayon d'action s'agrandisse. On pourrait déjà tirer. Voilà, hop, là, on voit qu'il s'agrandit. On peut tirer. Donc on va appuyer sur cette touche pour le F-16, Weapon Release. Et du coup avec cette touche, hop, on appuie un peu longtemps, on laisse une pression. Et là, hop, on a pu voir que le missile est parti. Donc là, dans un vrai combat, j'aurais dû défendre ou faire plein de trucs comme ça. Mais là, je vais vous montrer comment se défendre après. Donc là, on voit que le missile, hop, il est parti. Donc alors là, on va le voir aller sur sa cible. Donc là, nous, pour l'instant, on a plus d'informations. Là, on sait pas où est le missile, on peut pas vraiment savoir ce qu'il fait. Donc là, hop, le missile, il fait sa route. Là, on voit l'avion juste en face. Là, le radar du missile... c'est de trouver l'avion. Et voilà,
Il a trouvé sa cible, il l'a eu. Là on peut voir, elle s'est faite détruire. Donc voilà, hop, ça c'est comme ça qu'on utilise les Fox Tree. Très bien, donc là on va aller sur la deuxième cible, qui se trouve donc plus basse. Donc alors là, ce n'est pas notre cas, mais là à droite vous pouvez voir le HSD, et qui possède un data link. Donc si vous avez par exemple un E3 ou quelque chose comme ça dans votre équipe, vous allez pouvoir avoir des informations sur les autres avions sans que vous les ayez forcément dans votre radar. Donc ça peut être très pratique. Donc là, nous maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est tirer des AIM-9X. Donc alors, les AIM-9X sont les missiles infrarouges. Ils peuvent que être utilisés à une distance d'environ 10 nautiques grand maximum. Et encore, c'est très rare qu'ils touchent sa cible à 10 nautiques. Donc c'est vraiment pour le combat aérien rapproché. Mais pas trop rapproché, parce que si c'est trop rapproché, alors on va utiliser le canon. Donc le canon, c'est ça. Hop, c'est quand on tire des obus. Donc alors pendant qu'on arrive sur la cible, donc il y a plein de systèmes dans l'avion qui peuvent nous permettre de nous défendre. Donc alors on a les flares et les chaff. Donc alors les flares, c'est ce qui va permettre d'arrêter, enfin de décontrôler un peu les missiles infrarouges. Et les chaff, c'est ce qui va permettre de décontrôler les missiles radar. Ça marche pas à coup sûr, mais c'est pour se défendre. Donc alors pour les activer, vous activez chaff et flare, vous les mettez sur on, et en mode, il y a plusieurs modes, mais je vous conseille de vous mettre sur le mode bypass. Donc là on voit notre cible sur le radar, donc on peut la lock. Je pourrais très bien utiliser un Fox 3 et se ferait sûrement abattre. Sauf que bah là c'est pas le but de la vidéo. Donc on va aller la chercher à l'IM9X. Donc alors quand vous allez vous mettre dessus, vous allez avoir un bruit, là vous entendez. Un bruit assourdissant. Donc là vous allez sur votre cible. Bruit assourdissant. Et vous tirez. Bon là j'ai tiré de trop près donc ça va pas toucher. Bon ça a touché. Mais là hop voilà. Source de chaleur. Pas eu besoin du lock radar. Là je l'avais mais j'en ai pas besoin. Et hop, la cible a été abattue. Ok, très bien. Donc là on est reparti. Enfin là on se retrouve en F-18 pour tirer cette fois-ci le canon. Donc alors là on va y aller avec le canon cette fois-ci. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'avec les missiles. Parce que c'est complètement autre chose. Donc là j'aurais pu utiliser le HMD. Mais je ne l'ai pas fait. Ça m'aurait facilité la vie, j'aurais largement pu le faire. Donc là, j'ai vraiment plus beaucoup d'énergie. Donc je vais descendre un peu pour récupérer de l'énergie. Donc je vais pas trop forcer sur le manche. Je vais reprendre de l'énergie tout doucement et là vous allez voir, je vais être derrière lui. Donc alors quand je suis derrière lui, c'est très bien pour moi et très mauvais pour lui. Parce que du coup, j'ai plus qu'à le suivre jusqu'avoir une occasion de tir. À moins qu'il arrive à s'enlever de ma filature. Là, je m'avance. Je tire. Bon, là, je l'ai touché, mais ça n'a pas suffi. Donc là, hop, j'ai retiré. On a touché le moteur. Il s'est éjecté. C'est bon. On l'a eu. Donc là, vraiment, le truc le plus important sur les dogfights, donc les combats au canon, c'est de se mettre derrière son adversaire. C'est ça le plus important. Dès que vous êtes derrière, vous avez sûrement gagné le combat. Mais si c'est l'inverse, vous êtes mal et vous avez sûrement perdu. En dogfight, c'est impossible de le prendre avec le radar normal. Donc là, vous n'allez pas le prendre avec le radar normal. Vous allez prendre avec le mode ACM. Donc le mode ACM, je vous en ai déjà parlé. C'est ce qui va vous permettre de lock radar en fonction de ce que vous avez sur le HUD. Donc là, par exemple, sur le F-18. On peut utiliser cette touche. Donc c'est commande capteur sensor switch avant. Donc alors quand on fait ça, ça va faire apparaître comment s'appelle? Un ACM sur votre HUD. Et si un avion passe dessus, un hélicoptère, n'importe quoi, une cible, et bah hop, vous l'aurez lock radar. Pareil pour le bouton sensor switch vers le bas.
Et bien ce bouton il va vous mettre une ligne, et si l'ennemi passe sur cette ligne, vous pouvez le lock radar. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait un dogfight ou qu'on peut lock grâce au mode ACM. Donc dernière chose que je vais vous montrer. Donc là on peut voir que quand vous avez dispenser, donc c'est les contre-mesures. Donc alors les contre-mesures c'est les chaffes et les flares. Donc là ce que vous voyez, les petites paillettes. Donc ça hop, c'est les petites paillettes, c'est les chaffes, c'est qui va permettre de déranger les missiles radar. Et ça c'est les flares, ce qui va permettre de déranger les cibles, enfin les missiles infrarouges. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à utiliser l'armement des avions de chasse, et spécialement du F-16 et du F-18, et que eh bien vous arriverez à tirer avec votre avion ensuite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, passez une bonne journée et au revoir.